Elle s'empare tout de suite pour ce prix de Diane 2008. Un assez bon départ d'ensemble avec Goldikova qui est sur la ligne de tête, avec également la casaque blanche du numéro 4 Prima Luce qui vient d'Angleterre d'Irlande, qui est côté corde près de la tête, avec dans son sillage la casaque gris acier du numéro 7 Belle et Célèbre. À l'extérieur, sans finale, le numéro 2, le cheval de jeu de Zarkava, prend maintenant le meilleur, accélère assez nettement. Elle est maintenant à la hauteur de Goldikova, de Prima Luce devant Belle et Célèbre, avec également la casaque gros vert du 9 Kitty Matcham qui est dans le sillage des premiers. Vous pouvez écouter la casaque rouge toque vert de Léo Starlet, avec également Proviso Top Rose qui vient ensuite devant Satan Circus. Casaque rouge mange bleu à la corde. Toptos est à son extérieur, casaque bleu et jaune. La favorite Zarkava est en queue du peloton aux côtés de la casaque jaune Wait and See devant Ganyoa, avec également en queue de ce peloton le numéro 11 Belle Allure. Alors qu'elle se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face et devant les grandes écuries, avec Sanjida qui est maintenant venu se caler le long du rail et qui a toujours l'avantage devant l'Irlandaise Prima Luce à son extérieur. Goldikova, casaque bleu et blanc, est à l'extérieur également en troisième position. La vaincue qui galope à la corde, c'est le numéro 10 Léo Starlet qui est monté par Frankie Dettori, alors que Proviso s'est rapproché également devant Kitty Matcham. Belle et Célèbre vient encore, la casaque rouge, celle de Satan Circus, avec en dehors Toptos, Zarkava, casaque verte, lauréate de la poule de Célé Pouliche qui patiente toujours à l'arrière, avec Wait and See, la bien nommée Ganyoa également qui est à l'arrière, accompagné par le numéro 11 Belle Allure. Sanjida, le cheval de jeu, est débordé à l'entrée de la dernière ligne droite par le 4 Prima Luce, avec en troisième place à l'extérieur Goldikova, casaque bleu et blanche qui vient facilement, avec Zarkava la diva, casaque verte à l'extérieur qui vient facilement au côté de Toptos, Proviso Toptos Rose, et là également Léo Starlet est prise de vitesse à l'extérieur. Ganyoa vient de plus en plus fort devant Wait and See, avec à la corde Satan Circus qui cherche le passage, avec Goldikova qui est à la corde en pleine piste Proviso, mais voilà complètement à l'extérieur Zarkava. Zarkava qui est lancé maintenant en dehors par Christophe Soumillon. Ganyoa qui se lance à sa poursuite, accompagné à la corde par Goldikova. Zarkava qui a le meilleur maintenant à 150 mètres du but. Zarkava qui va s'envoler vers un triplé historique. Marcel Boussac, Bouldez et les Pouliches, prix de Diane. La victoire pour Christophe Soumillon, André Guitté. Ganyoa est deuxième, Goldikova troisième devant Proviso.